monter de niveau. Pour Bishop, qu'est-ce que tu... Ah, Bishop, oui. Je me souviens, Bishop devait venir ici parce qu'il était rôdeur. Ah, dommage, désolé Bishop. Alors Bishop, oui. Il devait venir pour vérifier que c'était tout bon ici. Qu'est-ce que tu vas prendre? Ennemi juré extérieur, qu'est-ce que c'est? Le personnage gagne un bonus de plus 1, tous les jets de dégâts. Très bien, et les dons disponibles. Souplesse du serpent, très bien, très bien. Avec Bishop, bon, hop, plus de dextérité. Évident, parfait. Et du coup, Bishop, toi, tu as... Ah oui, t'as quand même pas mal de merdier dans ton truc. Un mètre de volonté. Oui, bah attends, tu sais quoi? C'est plein de trucs qui vont finir chez moi, ça. J'aurais dû te passer toutes mes flèches si j'avais su que t'étais ici, mon grand. Et t'as 3 potions de soins importantes, c'est pas normal. T'en gardes 2 et c'est tout. Et ça, je le garde. Et toutes les flèches, tu te les prends. Oui. J'ai plus de flèches, d'ailleurs, c'est dommage. J'ai tout vendu. En même temps, comment pouvais-je le savoir? Très bien. Alors, allons-y. Allons voir. On peut presque sentir l'ombre qui flotte dans l'air. Si vous restez ici trop longtemps, elle va vous... vous attraper pour vous happer. Quoi qu'ait pu faire le cercle, il a dû trouver un moyen pour s'en prémunir. Si nous trouvons ce moyen, nous parviendrons à atteindre le vallon du Mardelin, j'en suis certaine. Je l'espère. Cet endroit me donne des frissons et je n'ai pas envie d'en voir davantage. Voici l'endroit du rassemblement. Attendez. Il se passe quelque chose. Je le sens. Je me sens plus en paix à chaque jour qui passe. Je sais que tu le sens aussi, Naevan. Le silence est-il ta seule réponse ? Silence et contemplation sont ma seule forme de paix ici. N'oublie pas que je suis ton prisonnier, Vachné. Nous te gardons ici parce que nous croyons au cercle. En temps utile, tu verras que nous avons raison. Et quand l'ombre sera passée, tu referas corps avec la terre. Cet endroit n'est plus le marais. Tu parles de l'ombre comme si c'était une brume passagère. Tu ne vois pas qu'elle pèse sur toi comme sur cette région. Nous avons cette terre en charge et ne pouvons l'abandonner. C'est devenu un cimetière. Libère-moi de cette prison et mettons un terme à cette corruption. Ancien ? C'est bien vous ? Ancien, pardonnez-moi de ne pas vous avoir cherché avant. Je vous croyais mort dans les terres contestées. Qui sont les gens qui sont avec toi ? Elani, qui sont-ils ? Ce sont mes alliés, mes amis. Grâce à eux, je suis ici. Ils portent la puanteur de la civilisation et de la guerre, comme toi. Nos pas nous ont menés à pas divers et à de nombreux combats. Mais cette personne est de Port-Nuit. C'est la personne que je surveillais. Le porte-fragment ? Tu as fait venir le porte-fragment ici ? Elle n'arrive pas à le quitter des yeux, ce qui était déjà le cas avant. J'avais pour mission de veiller sur vous à Port-Nuit. Le cercle m'avait demandé de vous observer, car les événements insolites semblent vous suivre. Et j'avais aussi mes raisons. Mais elle n'a pu se détourner de vous, de la civilisation. Elle disparaissait en bordure du marais pour vous observer pendant des jours, des semaines, des mois. Un cercle n'est pas complet quand il manque un de ses membres, ou quand il est happé par la civilisation. Merci, mais c'est à moi de répondre. Je n'avais aucune raison de... Elle n'a jamais eu de raison de vous observer comme elle l'a fait. Ancien, je vous en prie, je ne voulais pas... Même maintenant, tu te défends au lieu d'admettre ta négligence. Elle a tout d'un habitant de Port-Nuit et aurait bien fait de subir leur sort. Ta fascination pour le porte-fragment a fait que nous n'avons pris conscience des changements qu'une fois qu'ils nous ont touchés de plein fouet. Cette fois, nous avons de la chance. La Terre elle-même a choisi de parler.
Qui êtes-vous pour parler ainsi? Vous portez en vous le symbole même de la capacité de destruction de votre civilisation. Ancien, ce roi des ombres, il est une menace pour nous tous, pas seulement pour les villes. As-tu seulement vu ce roi des ombres? Non. Lui as-tu déjà parlé? Non. Alors qui est donc ce roi, hormis une histoire expliquant des forces qui nous dépassent? Je suis prisonnier ici, porte-fragment. Prisonnier, car je refuse de me résigner à cette folie. Elani, cette ombre n'a rien de naturel. J'ignore si le marais, le Mardelin peut être sauvé, mais je sais que nous ne pouvons l'accepter, que nous ne devons... J'ai peut-être mal jugé ta valeur, Naevan. Il n'a rien. Pour un druide de son rang, vivre dans les replis d'un arbre n'est rien. La terre change. Et nous devons changer aussi, Elani. Cesse de voir le marais comme il fut et accepte-le tel qu'il est aujourd'hui. Tes amis ne verront jamais les choses comme nous, mais pour toi, il n'est pas trop tard. Reviens auprès de nous et aide-nous avec cette tempête. Pensez-vous vraiment que ce qui s'annonce est bénéfique? C'est-à-dire... Mais c'est le cercle. Il a protégé ce lieu pendant des décennies, des siècles. Peut-être le comprennent-ils mieux que moi. Vous avez raison. Ils ont perdu la raison. Dans ce cas, nous t'avons perdu à jamais. Désolé, Elani, nous n'avons pas le choix. Quant à vous, porte-fragment, votre influence néfaste n'a que trop duré. C'est donc la guerre, c'est donc la bagarre. Je suis triste d'en arriver à ça. J'aurais aimé avoir l'aide, mais si c'est le seul moyen. Il en reste encore quelques-uns. Il y a beaucoup d'arbres ici, je veux bien que ce soit le marais, mais quand même. Le cercle est mort comme le marais, hélas. Je suis navré. Oh! Mais... Ce qui s'est passé ici est regrettable, mais tes actions étaient justes et le cercle était mort bien avant ton arrivée. Ne sois pas troublé par les paroles de Vachenet, je pense que tu vois bien plus clair que nous tous. Et qu'allons-nous faire à présent? Je ne sais pas ce qu'on peut protéger. Le cercle et le marais ont disparu, mais bien les choses restent indemnes. Qu'est-il arrivé au cercle? Nous avons été trop complaisants, pas assez vigilants, contrairement à Elané. Nous avons senti un changement dans l'air, mais nous n'avons pas compris. Le poison de l'ombre se répand rapidement. Certains d'entre nous ont péri faute de savoir s'adapter. Vachenet et ses disciples ont respiré ce poison et appris à s'adapter, mais ceux qui rongent le marais a déjà livré leur cœur. Qu'est-ce que vous savez du roi des ombres? Je ne sais que cette chose n'est pas de notre monde, et si votre forteresse de roche et de métal n'est pas à mon goût, elle vaut mieux que cette ombre. Le roi des ombres ne s'arrêtera pas, votre aide nous sera précieuse. Vachenet avait raison sur un point, par bien des façons, vous êtes la source de ces problèmes. La dernière fois que le marais a brûlé, le fragment logé dans votre poitrine a laissé sa marque noire dans la terre. Aïe. Quel que soit l'issue de ce conflit, je sais que vous y serez impliqué au premier chef, mais ma place demeure parmi les vestiges du marais. Avant que je ne parte, dites-moi, portez-vous encore ce fardeau dans votre poitrine? Se pourrait-il guérir les blessures de la terre? Certaines choses ne peuvent être effacées malgré toute l'envie que l'on a. Adieu, Elani, sans que nous voulions trouver une autre voie. Aïe. Je ne suis plus que Naevan à présent. Elani, tu accomplis beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que nous pourrons parler en égo. Ah. Ah non. Ah non. Ah non.
Non, 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 c'était pas ce que je voulais. Bon, par contre, ah, l'alliance, voilà. Il s'avère que les druides sont tombés sous l'influence néfaste du roi des ombres, ils ont attaqué et vous les avez tous tués. Malheureusement, Naïvan a été libéré de son emprisonnement dans un arbre, mais il a refusé de se joindre à votre cause. Non, non, non. Bon, malheureusement, je ne sais pas s'il y avait une autre façon Qu'est-ce qui se passe? de réussir cette quête. Malheureusement, je ne le saurai jamais. Telle est ma partie. Oh, une nouvelle serpe. J'en connais une qui va être contente. Je vais récupérer un peu tout, les faire examiner par Kara. Bon, eh bien, sur les 5 alliances, malheureusement, chez les nains, je n'ai pas le cercle. Triste. Front débile, un cimetière. Alors, dis-moi ce que tu as, ma chère. Dis-moi ce que tu as récupéré. On sait, alors, surtout. Oh, une serpe de lame. De lame noire. De lame. Ok. Eh bien, écoute. Voilà quelque chose qui pourrait être utile. Tiens, change ta serpe contre un truc un petit peu meilleur. Double serpe, c'est parfait ça. Ensuite, Oui. qu'as-tu? Un cimetière plus 1. Pas très intéressant. Colonne de feu, une lance plus 2. Pourquoi pas? Une fronde, oui. Des carreaux, c'est pour toi. Des billes, pas intéressant. Fronde, bâton plus 2. Pas très intéressant, et un cimetière plus 2, pas très intéressant pour tout cela. Bon, au final, ça s'est un petit peu mal passé, ce qui est bien dommage. Bon, je pense que malheureusement, je n'aurai pas plus. Partons. Où me diriger maintenant? Le vallon, le seigneur Nashor, vous ordonnez notre. Alors, ça, ce sera pour plus tard. Levendersnaven, ou le peuple lézard. J'ai déjà aidé les lézards, je pense que cela sera une formalité. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Bien, le marais, près de Grand Roche.